Donc, je disais, nous avons l'as de coupe ici qui va être représenté donc par les poissons, le 2 de coupe avec le caducé, l'harmonie, le 3 avec l'élément du feu, de la terre et de l'air, le 4 de coupe avec cet éléphant qui est en suspens sur ses coupes et qui quelque part est trop gros pour pouvoir bouger, donc on a bien ce côté un peu sclérosant du 4 de coupe, le 5, le 6 de coupe avec la croissance ici, les étapes de la croissance de la fleur, le 7 avec les illusions, avec cet œil qui regarde. Donc les illusions, ça peut être les rêves aussi. Ici donc le 7. Le 7, 5, ah non, le 8. Peut-être je me suis trompée, 8. Le 9, donc 9 de coupe. Et le 10 avec cette fontaine où toutes les coupes sont pleines. On arrive à une abondance. On passe à la... La lady de coupe, le cavalier avec l'emblème aussi du poisson, la reine de coupe, ici c'est le côté mystère de la reine de coupe, et le roi de coupe. Nous avons les deniers avec ici le lapin et la représentation des quatre points qui représentent les quatre éléments, le de pentacle, le 3 avec l'artiste qui crée, le 4 de denier ou de pentacle, le 5 le 6 le 7, le 8, le 9 avec l'arbre, le 10. Donc ce jeu quelque part au niveau, pour comprendre un peu la symbolique, les symboles alchimiques, il est plus facile d'interprétation parce qu'on a peu d'éléments sur les cartes, donc on arrive un peu à l'essence des choses. Là nous avons la lady de pentacle, donc qui va représenter un petit peu la beauté. Ici le cavalier de pentacle qui va protéger le château qui se trouve derrière lui, la reine et le roi représenté par le lion. Et pour finir les épées, nous avons l'as d'épée, le 2 d'épée avec la chouette, le 3 d'épée, le 4 avec cette notion de repos, de méditation ici, le 5, le 6, le 7 avec le renard, le 8, le 9, où on voit bien l'angoisse sur le visage, et le 10. Et pour la lady, on a une violoniste, ici le cavalier avec le dragon, la reine et le roi avec l'aigle royal. Voilà. Alors c'est un jeu que l'on peut trouver sur le site de l'auteur, hein, Robert N. Place. Mais par contre, voilà, il y a les frais de port qui sont un peu élevés. Ben, écoutez, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Et je vous dis à bientôt, voilà, pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.